Et coucou, bon, voilà, c'est l'heure d'aller faire le sport. Je vais me préparer vite fait, faire mettre mes habits. Oui, papa, il va te donner la moitié, ça. Je le teste pour la première fois. Il sert bien. Pouh, je vais peut-être m'attacher quand même. Voilà, j'ai mis tout avec le coupe-vent. C'est parti. Nous sommes rentrés du sport. C'était cool. Bon, il pleuvait un peu, mais ça va. Et le haut, là, qui coûte 80 euros, mais qu'on a eu à 50 euros. Un truc de dingue, c'est tellement fin. Tu n'as rien qui passe, ça marche super bien. Limite avoir la même chose en bas, mais le bas aussi Puma, super. Bah là on va déjeuner. On va déjeuner. Après, je vais passer à l'hôpital comme je vous ai dit. Course et cet après-midi, ça va être les décos de Noël, je pense. Ah oui, mais il y a le montage du vlog de la journée d'hier aussi à faire. Ouch. Il y a les barbouillettes. En même temps, quand tu veux faire du sport à jeun comme ça le matin, des fois. Ça me l'avait fait l'autre fois. Mais là, j'avoue que j'ai faim, je suis bien. Le facteur vient de sonner. J'ai reçu la Blissim, donc anciennement Birchbox, de décembre de Noël. Alors, j'ai pas encore ouvert, mais regardez. Oh, je crois qu'il est éternu, petit. Regardez la pochette en velours. Trop belle. Je vais la faire sur Insta, la présentation, je pense. Me voilà prête, j'ai mis mon nouveau t-shirt que j'ai eu chez Intersport. Il est trop bien, il est super mignon, j'adore. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il est 10h30, on s'était dit maximum 11h pour aller faire les courses de façon à ce que l'après-midi, j'ai du temps parce que là du coup, j'ai même pas commencé le montage. J'aurais voulu faire le reel, là vite fait, mais comme je l'ai dit, ça va être vite fait et j'ai pas envie de faire un truc vite fait, donc tant pis. On va se concentrer sur... Est-ce qu'on va à la déchetterie? Ouais, je pense, ouais. Ah bah alors, hôpital, bon je passe vite fait, déchetterie, course, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc, et puis voilà, je vais répondre, ça n'a pas de sonner. Je ne veux pas te déranger, c'est juste pour te dire que papa, maman, ils partent, mais vont revenir, faut pas pleurette. Et surtout, tu fais pas les bêtises, la poubelle et tout ça, d'accord? On fait confiance. Qu'est-ce que t'as dit? Touche à rien. Oh! Oui, ouais, c'est vrai. Oh, t'es bête. Allez, j'y vais. Et la dernière fois, je suis venue, on était quand même en plein Covid aussi. Je suis à l'hôpital, hein, je vous donnerai compte. Et il n'y avait pas ce protocole, ce qui est très bien. Hein. Donc, j'ai mis le gel normal. Ils m'ont pris ma température et tout. Et elle m'a pas dit combien, mais visiblement, elle m'a laissé passer. Bon, nous sommes rentrés. Alors, vous l'avez vu, il y a eu déchetterie, c'est fait. Hôpital, aller chercher. Ordonnance pour prochain petit examen fait et les courses en fait. On partait pour deux choses, comme d'hab. J'ai même plus à la base, je sais même plus. Et on est revenu avec plein de trucs. Tout est là-dedans. On a surpris ça. Elle était pas chère, j'ai trouvé 8 euros. J'étais à Inter. C'est une bouillotte très confort, bouillotte avec poche intégrée, normal, pour mettre contre mon ventre le soir quand j'ai des petites douleurs. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est douce! Qu'est-ce qu'elle est douce. Je la teste ce soir, même si j'ai pas mal au ventre. C'est la marque Éléphant. Je ne connais pas. Voilà, donc là, on a racheté quelques petites choses. Pour être tranquille, j'ai pris des navets, des poires, du riz, bananes. Ah oui, c'était surtout ça, on n'en a plus. Hein, les petits nettoyants, la vaisselle. J'ai pris du sel, rose de l'Himalaya. Je l'aime bien celui-là. Je ne le prends pas tout le temps parce que je sale plus trop, ce qui n'est pas bien finalement. Enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, il faut que je sale un peu plus. Yaourt, regardez. Alors celui-ci, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Panna cotta, caramel. Il n'y en a que deux, ça a l'air pas mal. Après voilà, petit classique, ça c'est pour lui, chocolat. Les printillines, moi je les aime bien, ceux-là, je mets des bananes dedans. Et c'est quoi celui-là que j'ai pris? Graines de chia, figues, poire. Le trois riz, c'est mon préféré. C'est très très bon, il y a du riz rouge, du riz sauvage. Délicieux. Ça, c'est tout ce qui est laitage, tranche de chèvre, très sympa, petit sandwich, chavreau évidemment, lingette désinfectante, recharge, et ça, c'est des rasoirs, sa poubelle, la viande, la dinde, et des crevettes, des vraies crevettes. Alors, on a eu une discussion avec le poissonnier qui nous a dit de surtout pas prendre les crevettes décortiquées parce qu'elles sont... En fait, il nous a expliqué le process, donc c'est plein de sulfites, parce que pour que ce soit, que ça reste bien et tout, donc ils mettent des agents qui sont pas terribles. Il nous a conseillé de faire ça parce qu'on compte faire des pâtes, peut-être curry ou curcuma, des pâtes aux crevettes. J'ai pris les tartines, le petit-déj, regardez, c'est A au niveau des nutritions, à snacker, pareil, je sais pas ce que ça vaut avec le grille-pain, ça doit être très bon. Descends, Jack, mais on va vraiment se fâcher. Je te demande gentiment de descendre. Et les gâteaux apéro, j'adore ceux-là.
Et ils sont vraiment pas mauvais quand tu les scannes. Yuka, voilà, c'est tout pour les petites courses, on va dire, raccord. Ah, et j'ai repris évidemment la meilleure des meilleures litières. Ah, elle est top celle-là, mais je la trouve pas partout. J'ai peur d'être en retard, de jamais réussir. Il est 14h, sachant qu'il y a 3h de... Pouf, ça saoule, bon bref. Ça fait quoi? Ça fait 40 minutes que je suis sur le montage du vlog. Et je sais pas pourquoi, mais il prend beaucoup de temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas en avance. Là, c'est le montage du vlog, mais derrière, j'ai encore 2-3 heures de téléchargement, forcément, la fibre, qui devait arriver il y a un mois, enfin il y a 2 ans, hein, pour être honnête. Bref, je continue. Oui, j'arrive. Que fais-tu là, maman? Non! T'as fait une tarte à tatin? Pour Eric! Parce qu'il t'a dit qu'il en a jamais eu de sa vie alors que je suis sûre que c'est faux. T'as fait une tarte à tatin? Oui, ce matin. Oh, la tarte à tatin de ma maman, elle est juste ouf. Oh, avec le caramel. Sans rire, c'est un délice. Avec petite boule glace vanille, légèrement réchauffée. C'est de la pâte brisée ou de la pâte sablée. Je crois que c'est brisé. Oh, exceptionnel. Et en fait, coucou mon Jackie. C'est hier Jackie qui a dit... Jackie. Eric qui a dit, oh, j'ai jamais mangé la tarte de ta maman. Je dis, quand même. Voilà. Oh, que c'est mignon, regardez. T'es tellement mignon, ma chérie. Mais oui. Attends, je vais quand même aller le voir. Il bosse. Il bosse dur dans son bureau. Non mais t'es sérieux quand tu dis que tu bosses, t'as beaucoup de boulot? C'est ça ton boulot? Oui. Tu me prends pour une imbécile un peu? Non. Bah, devine qui est passé et a fait la moitié d'une tarte tatin pour toi et moi. Non. Eh oui. Pendant que ma vidéo est en train de charger, je suis plus pas mal dans les temps, il doit être 3h30, je vais faire un Reels. Oh, vous le voyez lui? Qui débarque. Terminé parce que là la luminosité elle est baissée. Franchement elle est quand même belle hein, pour les fêtes. Avec la pochette elle est super mignonne. Et on a une palette. Ça c'est cool. C'est quand même pas mal hein, parce qu'elle est, bon, elle est pas très chère comme box donc ça vaut le coup. Je vous montre juste la palette. J'ai fait des essayages hein, pour ça qu'il y a des traces de doigts. En plus c'est vraiment des couleurs sympas. Enfin facile à mettre au quotidien. Bon allez, sur ce j'ai vu que il n'y a plus qu'à continuer l'upload. Et après bah, on va goûter quand même la super tarte. 4 heures, je vais faire le petit goûter pour... ouais, bah voilà. J'aurais voulu avoir toute la tarte. Bah, c'est vraiment... Oh là là, c'est grave. Hein. Alors... Et je vous dis, normalement, je mets un peu de vanille, la glace. Merci. Allô, maman? Bon, bah, on a mangé ta tarte, hein. Un chef-d'œuvre. Ah bah pourquoi tu veux qu'on ait mal au ventre? Ah non, non, mais elle était exceptionnelle. Eric il était genre déçu, il dit mais pourquoi elle est pas entière? Au fait, j'ai oublié de vous d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Mind Muesli, le 1 et du coup bah le 2. Et il fait sombre, je suis désolée, mais il faut vraiment que je mette un éclairage. Hein. Ça, en fait, faut que j'arrive à le brancher là-bas. Et au fait, je ne vous ai pas dit, hier, j'ai sorti l'aspi, j'ai tout aspiré au niveau de là, et j'avais raison, c'est une boule de Noël qui s'est explosée, donc j'ai réussi à réparer. Oui, parce qu'il n'y a pas de plafonnier. Par contre, je pense que j'ai une idée. La lampe qui était ici, je vais mettre là-bas, parce que c'est là-bas qu'il y a la prise, et je vais peut-être inverser. Je sais pas ce que vous avez vu, donc je remontre. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Mais le truc, c'est qu'il va falloir que je remette un point de colle. Ça fait ressortir du coup. C'est pas très très joyeux, tout ça. C'est hyper mignon. Faut que je range juste hein, le côté petit coussin, mais j'aime bien. Bon, ça va clairement manquer un petit peu quand même de lumière, mais il est 17h, hein, ça va le faire. Je vais quand même prendre le calendrier. Je vais commencer par la une. C'est les... Ah mince, je suis désolée, vous n'êtes pas droit. C'est les to-go, vous savez. T'as juste à mettre ton yaourt sur ton lait. Alors là, moi j'ai le yaourt cassis granola. Comme ceci. Ah. Le 2.
glow beer. Donc en fait, c'est de la myrtille, vanille et granola. Voilà. J'allais les remettre. Elle est con, la fille. C'est mignon quand même, hein, l'ambiance. Moi, ça me plaît pas mal. Hein. Alors, par contre, en ce qui concerne les décos de Noël, aujourd'hui, vu qu'il fait nuit, je vais pas dans le grenier. C'est pas grave, ce sera demain. Ouais, c'est sympa. Je me vois déjà faire des vidéos en toute intimité, confession sur canapé. Ah si, elle est contente. J'entends Eric en cuisine. Est-ce qu'il nous fait les petites crevettes? C'est possible. Quoique, ça va, le fait de décortiquer, ça va le saouler. On va aller voir. Par contre, quand il cuisine, personne n'a le droit de rentrer là-dedans. Bon, bah si, en fait. C'est les crevettes qu'il a commencé, mais il m'a fait pitié. Je lui ai proposé de le faire. Ça a l'air très bon. C'est bon. Ah si, on va mettre avec du lait de coco. On a trouvé ça, ça peut être sympa. J'arrête maintenant ce vlog. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve demain. Ouais, c'est les vlogmas, donc on enchaîne. Allez, bisous, salut.